Bonsoir à tous, voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Nous irons à Rabat, au Maroc, pour entendre la population sur place avant l'arrivée du pape François samedi prochain. Nous ferons également un point sur la situation au Mozambique et l'avancée des secours après la catastrophe naturelle qui a touché le pays. Et puis, interprétation erronée dans les médias de l'avis du conseil presbytéral de Lyon et de ses deux autres conseils à propos du cardinal Barbarin, le père Christian Delorme, qui a participé à la réunion, nous dit pourquoi. C'est la crise à l'Osservatore Romano, le quotidien publié par le Vatican. Lucetta Scarafia, la fondatrice du supplément féminin Femmes, Église, Monde, a fait savoir qu'elle démissionnait avec toutes les rédactrices du mensuel. Dans une lettre ouverte au pape, elle dénonce un climat de méfiance. Pour elle, les femmes sont très mal considérées au Vatican. On en parle dans notre dossier avec Henrik Lindel de La Vie et Louis Dauphren de Radio Notre-Dame. Et on débute cette édition au Maroc qui s'apprête à accueillir le pape François. Sa visite aura lieu dans la capitale de Rabat. Le pape sera accueilli officiellement samedi en début d'après-midi. Cette première journée sera tournée vers le dialogue interreligieux. Un temps d'échange est notamment prévu avec des imams, des prédicateurs et des prédicatrices. Le dimanche, le pape ira à la rencontre de la communauté catholique du pays. À quelques heures de son arrivée, on se réjouit déjà sur place de la portée de cet événement. Dans deux jours, Keren assistera à la rencontre entre le pape François et le roi Mohamed VI. L'étudiante en théologie sera rejointe par près de 700 jeunes, tous catholiques, tous étrangers. Nous qui sommes accueillis ici, c'est quand même un bon signe, un bon signal si on peut le dire ainsi, dans la mesure où on voit quand même notre responsable numéro uno de l'Église catholique romaine au monde venir. Ça ne peut que nous réconforter, nous dire que voilà, nous ne sommes pas seuls. C'est vrai, nous avons nos frères marocains qui sont également agréables. Et bien, voir également le pape, ça ne peut qu'agrémenter davantage notre situation au Maroc. Les jeunes catholiques du Maroc réfléchiront ensuite à l'église Saint-Pédis, au message d'espérance porté par cette visite. L'invitation faite au pape par le roi, commandeur des croyants, est un geste significatif en faveur du dialogue interreligieux. C'est un moment aussi de rencontre qui dépasse les différences que nous pouvons avoir et qui met en exergue ce qui nous unit, la foi en un seul Dieu créateur, la fraternité universelle. Les Marocains veulent souligner cette fraternité, cet accueil des chrétiens, encouragé depuis plusieurs siècles par les dirigeants du pays, comme en atteste cette exposition organisée aux Archives nationales. Les chrétiens résidant au Maroc ont joui de respect et de considération grâce à des décrets royaux ou bien sultanéens tout au long de l'histoire du Maroc. C'est une visite historique pour nous, c'est une visite de pape. C'est parce que le pape, il symbolise l'autorité religieuse chrétienne. Il sera une occasion pour promouvoir la paix, la tolérance. Liberté de culte et dialogue au programme. Cette visite du pape rappellera également le défi migratoire auquel doit répondre le pays. Le Saint-Père viendra ici à la rencontre de ceux qui œuvrent chaque jour pour les migrants, dont les profils ont changé. Aujourd'hui, on a de plus en plus une migration de vulnérabilité, de misère. On a de plus en plus des femmes qui voyagent seules avec des petits-enfants. On a des femmes enceintes et on a un nombre croissant des mineurs. Environ 100 000 personnes arrivent chaque année au Maroc, qui compte 37 millions d'habitants. L'enjeu de cet accueil sera peut-être abordé dans ce gymnase, encore en pleine préparation, pour accueillir la célébration de la messe dimanche. Un voyage à suivre dès 13h15 samedi avec un premier flash avant la cérémonie d'accueil. Et puis, on l'a appris mercredi, le pape François ira au Mozambique, à Madagascar et à l'île Maurice du 4 au 10 septembre prochain. Trois thèmes ont été retenus pour chaque pays. Espérance, paix et réconciliation pour le Mozambique, ce meurt de paix et d'espérance pour Madagascar et pèlerin de la paix pour l'île Maurice. Juste après l'annonce, le cardinal Piat, évêque de Port-Louis à Maurice, a donné une conférence de presse avec le Premier ministre. Il s'est réjoui en créole de la venue d'un pape, 30 ans après celle du pape Jean-Paul II, le cardinal Piat, qui souligne aussi une venue du pape au moment où le pays fête son saint patron, le père Jacques Désiré Laval. Très très heureux de cette visite. Je crois que le peuple mauricien attend, pas juste les catholiques comme on le connaît, mais aussi tout le peuple mauricien qui peut suivre ce bon déplacement, ce bon déclaration, etc. Le jour que le pape François vient à Maurice, c'est le 9 septembre, c'est la fête du Père Laval, comme on sait.
Hein, et tout le monde mauricien a une grande dévotion envers le Père Laval. Tout le monde de religion, vous visitez le Père Laval, vous priez le Père Laval. Et les bovines, ici, ce jour-là, c'est un signe pour nous, comment dire, il confirme nous dans l'attachement qui nous est là avec le Père Laval, qui tout le monde mauricien est là. Et il confirme nous aussi dans la valeur de l'impact qui Père Laval est là sur nos pays au 19e siècle. Grande joie également à Madagascar, c'est l'attente de tout un peuple. La jeunesse sera au rendez-vous. Ce sera pour nous une occasion d'approfondir notre foi, a confié Mgr Benjamin Marc Rameau-Rawson, archevêque d'Anstiranana, un voyage apostolique qui commencera à Maputo, la capitale du Mozambique, un pays qui a vraiment besoin de réconfort ces derniers temps. On vous en parlait jeudi dernier. Le cyclone Idai a fait des dégâts considérables dans le pays. On dénombre plus de 700 morts, des milliers de disparus et des populations isolées à cause de gigantesques inondations. Il a été très difficile aux services de secours de se mettre en œuvre, tant la catastrophe naturelle est inédite, nous confiait le responsable des opérations de la Caritas. À cela s'ajoute une épidémie de choléra qui semble inévitable. Nous avons joint sur place le responsable de la Caritas Mozambique. On l'écoute. The situation is very bad, especially in three provinces have been affected by this cyclone Idai. And people, they lost their houses, they lost their belongings, even the crops. And the real need now on the shelter and the food items. For me, it's really shocking. It's a shocking situation. We are trying to assist the people, but most of them we are assisting those in town. Here in the village, there are still a lot of families without any assistance. So I think we really need the support to assist these families here in the village. En République démocratique du Congo, l'Église compte bien continuer à faire entendre la voix du peuple, nous a confié Mgr Fridolin Ambongo, l'archevêque de Kinshasa. Il en appelle à la communauté internationale pour que son pays puisse s'ouvrir à une vraie démocratie. Malgré les morts, les lieux de culte saccagés, les humiliations, l'Église continuera à s'engager pour la vérité. Je vous propose de l'écouter. Vous savez que le combat que l'Église mène au Congo, c'est d'abord un combat pour la dignité de l'homme congolais. Et cette dignité se traduit par des institutions crédibles qui se mettent au service du peuple, ce que nous n'avons pas. L'Église ne peut jamais se taire devant une injustice. L'Église ne peut jamais rester neutre quand l'être humain souffre. Rester neutre, ce serait prendre position pour le puissant, pour celui qui fait souffrir. Je crois que c'est dans la mission de l'Église d'être aux côtés des petits, d'être aux côtés de ceux qui souffrent, et porter la voix des sans-voix. Et c'est le travail que nous faisons actuellement au Congo. Mgr Fridolin Ambongo, actuellement en France pour la nuit des témoins organisée par l'AED, l'aide à l'Église en détresse. Une soirée à suivre en direct sur KTO depuis Notre-Dame de Paris, demain vendredi à 20h40. À Tahiti, un prêtre a été mis en examen mardi à Papété pour agression sexuelle sur mineurs de plus de 15 ans, corruption de mineurs et incitation à la consommation excessive d'alcool. Deux jeunes majeurs adolescents à l'époque des faits ont alerté la commission interdiocésaine de recours en cas d'abus sexuel qui a prévenu le parquet. Le prêtre de 40 ans qui exerçait dans l'église Sainte-Thérèse de Papété depuis 2016 a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter la Polynésie française et interdiction de se rendre dans sa paroisse. Depuis hier, plusieurs médias indiquent que les prêtres de Lyon demandent publiquement au pape un départ rapide du cardinal Barbarin, évoquant même une sorte de révolte. C'est une interprétation totalement erronée des votes qui se sont déroulés ce mercredi, indique le père Christian Delorme, pourtant parfois en contradiction avec l'archevêque de Lyon sur certains dossiers. C'est en tant que membre du conseil presbytéral de Lyon qu'il a participé à cette réunion extraordinaire. Il confirme que l'une des questions portait bien sur le fait pour le cardinal de présenter à nouveau sa démission, mais il en décrit l'esprit. Parfois, il y a des interprétations médiatiques. Hein. On a compris, les prêtres de Lyon mettent dehors leur archevêque. Ce n'est pas du tout ça.
Vraiment, je peux vous assurer, tout le monde a pris beaucoup de délicatesse pour parler du cardinal. Et ce qui dominait aussi, c'était une grande reconnaissance. On a eu le père Barbarin pendant 17 ans à la tête de notre diocèse. On est plusieurs à être très tristes de le voir partir et surtout de le voir partir comme ça. Donc c'est pas on aimerait qu'il parte, c'est on l'encourage aujourd'hui à redéposer sa démission, et on l'encourage à continuer à être au service de l'Église. Et notre souhait, c'est qu'il trouve et que le pape lui donne dans les mois, années qui viennent, une autre mission à la hauteur de sa dimension. Les conseils viennent donc confirmer la volonté du cardinal Barbarin, exprimée au début du mois, de présenter sa démission au pape. Les trois vicaires généraux, le père Yves Baumgarten, monseigneur Gobiliard et le père Moutarde, vont se rendre à Rome pour y porter le compte-rendu de cette réunion, qui fait aussi mention de l'état actuel du diocèse. Toujours en France, la synthèse du grand débat national sera présentée le 8 avril. Mais déjà, beaucoup s'accordent à dire que la crise des Gilets jaunes a montré que les Français avaient besoin de liens entre eux. Et pour les favoriser, les bénévoles du Secours catholique de l'Eure ont mis en place le Fraternibus. Depuis quelques semaines, le mercredi matin, un minibus vient s'installer sur le marché de la commune de Breteuil-sur-Iton. Inès Houlier est allée partager un café dans ce lieu d'écoute mobile. Comme souvent, Anne vient faire son tour du marché. Ce matin, elle s'accorde une pause non pas à la terrasse d'un café, mais à la table du Fraternibus, un espace mobile du Secours catholique pour aller à la rencontre des gens. Il n'est que 9h du matin, mais déjà, les conversations vont bon train. Déjà, il faut laisser pousser vos cheveux. Ah oui, l'éteindre en blanc. On n'a plus de communication entre nous. Et même si vous faites des courses, bon, il y a toujours le petit mot gentil du commerçant. Mais ce qui manque le plus, c'est la profondeur des conversations. Pour les bénévoles, trois mots-clés, partage, accueil, écoute. Pour ceux qui s'arrêtent, le bonheur de pouvoir dire ses joies et ses peines autour de quelques douceurs. Souvent, les personnes s'arrêtent devant le bus, sont intriguées par notre présence, et c'est l'occasion de leur proposer justement une boisson chaude. Le principe, c'est surtout d'aller vers les personnes isolées, plutôt que ce soit les personnes qui frappent à une porte. Alors pour l'instant, nous sommes sur les marchés pour avoir une bonne visibilité, se faire connaître. Et dans un deuxième temps, très prochainement, nous allons aller plutôt vers les campagnes, dans les petits hameaux, dans les endroits où il n'y a pas d'endroit pour se rencontrer. Un moment de convivialité qui permet à chacun d'affronter la suite de la semaine, le cœur ragaillardi, jusqu'au prochain marché. Et si vous souhaitez vous joindre aux bénévoles de Fraternibus, n'hésitez pas à contacter l'antenne du Secours catholique de l'Eure. Et on poursuit avec la chronique du père Venard. Cette semaine, il nous parle du cléricalisme. Si la crise qui touche l'Église de façon si dure en ce moment est d'abord une crise morale, il convient d'y ajouter, et beaucoup de commentateurs le font en ce moment, aussi une crise de gouvernance dont on voit bien des aspects. Un des mots qui ressort le plus à la suite du pape, c'est de dire « il faut lutter contre le cléricalisme ». Mais finalement, qu'entendons-nous par ce mot-là ? Je lis ici ou là que lutter contre le cléricalisme serait presque supprimer les clercs. Je pense que c'est une énorme sottise, dans la mesure où une partie de la crise morale vient bien justement du fait que les prêtres, sans doute, les consacrés, avaient trop oublié la spécificité de ce qu'ils sont. Ils avaient trop oublié à quel point, en tant que consacrés, ils avaient une vie à part, en effet, et la perte d'identité, de cette dignité sacerdotale, les a souvent amenés, justement, dans de graves erreurs. Si donc le cléricalisme, ce n'est pas s'attaquer au clerc, de quoi s'agit-il ? Officiellement, le cléricalisme, c'est une idéologie par laquelle les clercs essayent d'imposer leur pouvoir dans la société civile. Or, il ne peut pas s'agir de cela. Nous sommes donc plutôt dans une forme d'exercice du pouvoir qui est visée. Cet exercice du pouvoir qui semble aujourd'hui odieux, c'est quand un homme, une femme, pourquoi pas simplement des clercs, dans l'Église, se servent de leur position, mais surtout se servent d'arguments pseudo-spirituels, se servent d'arguments de nature qui relèvent de la charité,
pour imposer leur volonté, pour imposer leur petit pouvoir et obliger d'autres hommes, d'autres femmes à aller là où ils ne voudraient pas aller, à agir sans aucune concertation. Alors peut-être là, en effet, il y a un vaste programme, un vaste champ à réformer dans notre vie ecclésiale. Allons-y avec courage. Merci Père. Tout de suite, c'est la revue de presse. Et on commence avec l'avis, Henrik Lindel. Bonsoir. Alors cette semaine, vous avez fait le choix de ne pas traiter un sujet d'actualité. Oui, exactement. Nous avons voulu consacrer un dossier important sur la médecine intégrative qui allie allopathie et médecine douce. Beaucoup de mots un peu compliqués pour dire une chose très simple. Il s'agit d'une médecine qui considère l'homme dans sa globalité. Nous avons aussi un papier intéressant que je vous recommande vraiment aussi. C'est sur François Ruffin. Vous savez, l'homme de la France insoumise qui sort parfois des films. Là, il vient de sortir un film qui s'appelle « Je veux du soleil ». Il a aussi sorti un livre sur Emmanuel Macron. Donc, c'est un livre réquisitoire. Et je voudrais aussi signaler que la semaine prochaine, nous sortons une nouvelle formule. Donc, ceci est la dernière, le dernier exemplaire de l'ancienne formule. Mais voilà, mais en tout cas, c'est la dernière fois que vous verrez la vie dans cette formule-là. Un exemplaire collector, donc. Tout à fait. Comment transmettre la foi en famille ? France catholique a rencontré Monique Berger, la fondatrice du site Prions en famille. Depuis plus de 30 ans, elle a permis à des générations de familles de transmettre une foi solide à leurs enfants. Le but est l'éducation et de conduire les enfants à Dieu en lui donnant la première place, rappelle cette éducatrice de référence. Dialogue islamo-chrétien, l'Église est-elle trop naïve ? S'interroge Pellerin avant le voyage du pape au Maroc. Pour le père Henri Fautrade, engagé dans ce dialogue, il faut reconnaître que l'islam se développe là où les habitants subissent une concentration urbaine invivable. Une présence de musulmans qui est en train d'opérer un réveil de l'identité chrétienne, affirme le père Fautrade. L'hebdomadaire protestant Réforme s'intéresse à l'impôt. Si les Français en majorité s'y soumettent sans tricher, le sujet cristallise les débats. Comment envisager la réforme de la fiscalité dans notre pays ? Qu'est-ce qu'un impôt juste ? Et puis dans l'Évangile, pourquoi la figure du collecteur d'impôts est souvent décriée ? Les réponses dans un grand dossier cette semaine dans Réforme. Et c'est Saint Jean-Baptiste de La Salle qui fait la une de Famille Chrétienne cette semaine. Saisi par la misère des classes populaires venues s'agglutiner dans les faubourgs de Reims, sa ville natale, le fondateur des Frères des écoles chrétiennes a posé il y a 3 siècles les bases de l'école gratuite et ouverte à tous. Voilà pour la revue de presse. Tout de suite, c'est notre dossier. Louis Dauphren, bonsoir. Bonsoir. Henrik Lindel, rebonsoir. Alors ce soir, on va parler d'un sujet qui suscite du rififi au Vatican, si je puis dire. C'est la démission de Lucetta Scarafia, la fondatrice du mensuel féminin de l'Osservatore Romano. Peut-être un premier mot, Henrik Lindel, puisque la vie, vous êtes en partenariat avec ce mensuel féminin. Alors cette démission avec 10 autres rédactrices, comment vous l'avez perçue ? C'est un véritable coup d'éclat, même pour nous. Lucetta Scarafia est une journaliste, une historienne, féministe. Elle a aussi été engagée en politique. C'est une grande gueule. Hein. Donc c'est quelqu'un qui est habitué aussi à faire des grandes sorties très médiatiques. Et elle dit elle-même qu'elle démissionne parce qu'elle craint un changement de la ligne éditoriale. Elle ne veut pas subir les ordres d'un nouveau chef qui vient de prendre la direction de l'Osservatore Romano. Pardon. Et donc, elle justifie cette décision pour ne pas avoir à subir, comme elle dit, une obligation à obéir à une ligne qui ne serait pas la sienne. Et nous avons effectivement édité ce mensuel pour nos lecteurs en France, un mensuel qui s'appelle « Femmes, Église, Monde » et qui est fait par et pour les femmes catholiques. Et nous cessons de diffuser donc ce mensuel parce que nous pensons aussi qu'il pourrait y avoir un changement de la ligne éditoriale, donc ça ne correspond pas tout à fait au contrat que nous avons établi avec le journal. Mais nous sommes comme vous, nous ne savons pas plus que ce qui s'est passé vraiment. En tout cas, elle dénonce aussi une mainmise masculine sur cette ligne éditoriale. Qu'est-ce que ça vous évoque, Louis ?
Moi, je crois que c'est assez difficile de se prononcer en l'état actuel des choses, mais néanmoins, selon les informations que j'ai pu recueillir, alors j'apporterai peut-être une nuance, parce que la dépêche AFP dit que c'est l'ensemble de sa rédaction, l'équipe de rédaction qui a démissionné. En fait, ce n'est pas le cas, c'est-à-dire qu'il y avait 11 personnes dans le comité éditorial, les deux statutaires sont restés, et les 9 personnes qui sont parties étaient des collaborateurs extérieurs. Donc en réalité, il n'y a pas une démission massive, c'est simplement l'opposition de Lucita Scarafia avec la nouvelle direction de l'Osservatore Romano qui l'amène à partir. Moi, ce que je peux dire de cette personne que j'ai reçue à plusieurs reprises sur l'antenne en matinale, elle a une vie, un parcours, c'est vrai, intéressant, parce que sa mère était catholique, je crois, son père était plutôt franc-maçon, sa tante était communiste, elle a vécu 68 de plein fouet, elle a vécu aussi une conversion à Santa Maria du Trastevere devant une icône du XVIe siècle qui l'a rapprochée de l'Église catholique dont elle s'était éloignée. C'est Benoît XVI qui avait donné son assentiment à cette version féminine de l'Osservatore Romano. Donc les choses, aujourd'hui, sont difficiles à décrypter dans la mesure où on ne sait pas si c'est vraiment une opposition idéologique, frontale, avec une nouvelle ligne sur la conception catholique de la femme, ou si ce sont des dissensions aussi personnelles, de tempérament, de caractère. C'est une femme de caractère. Et puis, c'est une femme aussi d'influence, parce que c'est l'épouse de l'un des plus grands éditorialistes italiens, Ernesto Galli della Loggia, qui a beaucoup d'influence en Italie, et donc c'est une personne qui compte. C'est-à-dire, c'est difficile de faire. Je pense qu'elle a, comment dirais-je, elle impose une ligne. Elle imposait une ligne qui supportait peut-être difficilement la contradiction sur un certain nombre de points. Il faut dire aussi qu'elle travaillait depuis longtemps avec l'ancien directeur de l'Osservatore Romano, qui s'appelle Giovanni Maria Vianne, et qui a démissionné en décembre dernier, qui a été remplacé par une autre figure de la presse italienne qui s'appelle Andrea Monda, de la presse italienne catholique. Et la collaboration ne serait pas forcément évidente entre ces deux personnes. On peut tout à fait imaginer qu'il y a un problème de personne. Nous sommes abordés différentes hypothèses. Il est très difficile d'imaginer, à mon avis, hein, mais ça c'est moi qui dis ça, que Andrea Monda, qui est le nouveau directeur, impose une nouvelle ligne qui bousculerait totalement ce qu'on connaissait déjà de ce journal et de ce mensuel. On voit mal comment, d'ailleurs, on peut s'imposer face à Lucetta Scarafia. Elle est venue à la rédaction, on la connaît bien, et c'est une femme, je dirais, à la fois adorable et à la fois quelqu'un qui sait se faire entendre. Et donc, j'ai beaucoup de mal à penser que Monda chercherait à imposer une nouvelle ligne extrêmement obéissante et masculine à un mensuel qui, je rappelle, est fait par et pour des femmes. De toute façon, Monda, il dément toutes ces accusations. Il dit qu'il n'aurait jamais choisi quelqu'un en fonction de son obéissance à je ne sais quelle ligne. Donc, il faut prendre en compte les deux personnes. Hein. C'est le minimum. Alors, tout cela se passe aussi à un moment où beaucoup d'hommes changent de poste. Le pape François tient visiblement à mieux contrôler la communication. Il y a un rapport entre le pape et la secrétairie de l'État du Saint-Siège. Et jusqu'à présent, plusieurs personnes se référaient plutôt à la secrétairie. Et ces personnes, le pape préférerait que les personnes se réfèrent directement à lui. Parce que c'est important de rappeler, parce qu'en décembre dernier, le porte-parole du bureau de la presse au Vatican, Greg Burke, avait démissionné avec son adjointe, Paloma Garcia Negero. Et ces deux personnes, ce n'était pas du tout attendu, hein, et ce n'était pas forcément conflictuel, mais c'était parce que justement, le pape voulait avoir des personnes qui référaient au pape. Voilà, vous soulignez effectivement un côté à la fois d'organisation. Une figure haute en couleur, si je puis dire, la rédactrice du mensuel. En tout cas, elle dit hein, souvent que les femmes sont très très mal considérées au Vatican. Alors, je ne sais pas comment apprécier la chose, parce que peut-être que
Il y a d'autres femmes. Il y a une association au Vatican qui s'appelle Femmes au Vatican qui était plutôt en opposition à Lucetta Scarafia, qui avait été, je crois, créée sous Benoît XVI, mais qui n'avait pas du tout la parole. Lucetta Scarafia verrouillait quelque peu la ligne éditoriale sur des positions féministes quand même très avant-gardistes sur un certain nombre de sujets, parce qu'on peut dire que cette démission n'est pas très surprenante au regard de certains papiers qui ont paru dans l'Osservatore Romano sur des questions d'adoption par des couples homosexuels, sur les questions de la théologie du corps vue par Jean-Paul II, qu'elle était quand même en opposition assez frontale sur un certain nombre de sujets. Là, il faut aussi rappeler ce qui s'est passé en février avec l'apparition d'articles en évoquant notamment les viols des religieuses. Et ça, c'était très avec récent. Avec lequel elle était en désaccord. Voilà. Et on est dans un moment dans l'histoire de l'Église aussi qui est très compliqué. On est en pleine crise d'abus sexuels. Donc moi je dirais qu'on n'a pas encore tous les éléments pour pouvoir dire exactement pour quelles raisons Lucetta Scarafia démissionne. Et de cette façon, en dénonçant donc une nouvelle ligne, alors que le nouveau directeur du journal dit qu'il ne veut pas imposer une nouvelle ligne. Ce n'est pas ça le problème. Par contre, il veut avoir, il a un droit de regard. Mmh. Et on peut penser que c'est tout à fait légitime de la part d'un nouveau directeur de juste pouvoir contrôler un peu ce qui se passe dans son journal. Alors que je vous rappelle donc... Auparavant, Lucetta Scarafia avait l'habitude, depuis de nombreuses années, de travailler avec l'ancien directeur, l'ancien chef. C'était une collaboration qui se passait très, très bien. Donc on peut penser qu'il y a juste la crainte que les choses changent. Lucetta Scarafia a 71 ans. Donc elle a peut-être envie aussi quelque part de passer à autre chose. Je n'exclus pas. Il nous reste quelques secondes. Louis, à vous de conclure. Pour conclure simplement, ça pose la question de la... Quelle est l'image, quel est le casting pour une femme au Vatican ? Pour représenter les femmes au Vatican, ça c'est quelque chose qui n'est pas simple et qui n'est pas aujourd'hui tranché, parce qu'on ne peut pas dire... Il y a beaucoup d'éléments pour penser que Lucetta Scarafia, du point de vue de ce que l'Église dit aujourd'hui sur les femmes, ou de sa ligne sur ce qu'elle a dit jusqu'à présent sur les femmes, on peut dire que Lucetta Scarafia représentait l'orthodoxie de cette ligne, c'est sûr. Maintenant, elle pouvait faire évoluer des choses, et les a sans doute fait évoluer, mais ce n'est pas simple de trouver le bon visage pour représenter... ce que le pape François désire et puis ce que l'Église représente elle-même. Nous sommes à une époque de réforme, en fait, au sein de l'Église. Et ces réformes-là mettent du temps. Et je pense qu'il faut s'habituer à beaucoup d'événements de ce type-là. Voilà. Merci beaucoup, Henrik. Merci beaucoup, Louis, d'avoir partagé vos points de vue. Une émission à revoir sur notre site internet www.kto.tv.com. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Excellente soirée sur KTO.